Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Très peu de gens connaissent ce film, ce qui est dommage d'un sens. Ce n'est pas un chef-d'œuvre et ce n'est pas mon préféré non plus, mais il vaut quand même le coup d'œil, malgré sa bizarrerie évidente. Je vais vous présenter trois théories sur B-Movie du studio DreamWorks. Des théories étranges, mais bon, vous avez l'habitude avec moi sur cette chaîne, n'est-ce pas? Alors, ne perdons pas un seul instant et commençons déjà par la première théorie. Il s'agit là d'une théorie complètement absurde, accrochez-vous bien. Cette théorie en question suggère que B-Movie et iCarly partagent le même univers. Mais comment cela est-il possible? De quoi part cette théorie? Dans B-Movie, une abeille nommée Barry Benson tombe amoureuse d'une femme humaine, Vanessa. Et le pire de l'histoire, c'est que c'est réciproque! La théorie suggère que la mère de Freddy Benson, dans iCarly, est Vanessa. Et cela signifierait que Barry est son père. Cela semble être complètement absurde! Mais, et si c'était vrai? En 2016, l'acteur Nathan Kress, qui incarne Freddy dans la série iCarly, a découvert cette théorie et l'a confirmée. Il est vrai que la mère de Freddy et Vanessa se ressemblent, elles ont des similitudes, par exemple les cheveux bruns et les yeux verts. Donc, peut-être que Freddy est à moitié abeille, après tout. Cependant, il est évident que l'acteur plaisante, hein, ce n'est pas du tout sérieux, sans compter qu'on peut facilement débunk cette théorie. La mère de Freddy s'appelle Marissa, et non Vanessa. Et pour ce qui est de son père, ce n'est sûrement pas Barry. En effet, d'après une photo montrant le scénario d'une scène non diffusée qui a rapidement été supprimée par Dan Schneider, le producteur, nous avons appris quel était le nom du père de Freddy. Il s'agit de Leonard Benson. Il partage donc le même nom de famille que Marissa. On ne sait pas s'il est décédé ou non, car aucune mention de lui n'a été faite. Il n'est jamais apparu dans la série. Donc, cette théorie est complètement fausse. En même temps, c'est assez logique, n'est-ce pas? Mais même si la théorie est fausse, je me demande comment Vanessa et Barry font pour... Enfin voilà, vous avez compris, je vais pas m'égarer plus que ça. Passons maintenant à la seconde théorie. Après avoir revu le film, j'ai constaté que quelque chose clochait. En dehors de la romance chelou entre une humaine et une abeille. Les abeilles mâles, qu'on appelle faux bourdons, sont plus gros et n'ont pas de dard. Les abeilles femelles, reines et ouvrières, sont les seules à pouvoir piquer. Dans B-Movie, l'ami du protagoniste, Adam, pique un humain. Donc, nous sommes face à un problème. Et nous soulevons la question suivante, comment cela est-il possible? Adam est un mâle, il n'est pas censé pouvoir piquer. Est-il transsexuel? Venant d'un film où une abeille se tape une humaine, est-ce que ça serait vraiment surprenant? D'ailleurs, on peut totalement se poser la même question concernant Barry et les autres abeilles mâles qui bossent fort comme des ouvriers. Est-ce qu'ils sont tous trans au final dans l'histoire? Encore une fois, est-ce que ça serait surprenant? À mon avis, c'est juste une erreur, quoi. Ce n'est pas la première fois que DreamWorks font une erreur concernant le règne animal, voyez-vous? Par exemple, dans Kung Fu Panda, Tai Long rugit alors qu'en réalité, les léopards des neiges en sont tout bonnement incapables. Ils poussent des espèces de miaulements, voyez-vous. Donc, très clairement, cette partie où Adam pique un humain, c'est une erreur, c'est un dessin animé après tout, enfin bref. Et de toute manière, il est clairement dit que quand une abeille pique, elle meurt, ça on le sait. Donc, à la fois, ça prend des éléments des règnes animaux et à la fois ça va un petit peu dans la liberté parce que c'est un film d'animation, enfin, vous saisissez je pense.
Maintenant, il est temps de passer à la troisième et dernière théorie. Vous vous souvenez de cette fameuse blague incestueuse au début du film ? Les abeilles mâles imprègnent la reine qui donne ensuite naissance à des milliers de bébés. La reine étant la mère de chaque abeille, les parents de Barry sont peut-être les siens ou pas, on n'en sait strictement rien. Mais vu comme tout le monde est si étroitement lié, trouver un partenaire, bah c'est clairement incestueux les amis. Dans la salle d'audience, Monsieur Montgomery fait un commentaire selon lequel les parents de Barry ne sont pas ses parents biologiques. Alors peut-être que son père est bien son père, hein, mais sa mère, bah, peut-être pas. Peut-être que la reine est la mère biologique de Barry. Quoi qu'il en soit, il y a de l'inceste évident dans ce film, comme dans le vrai mode de vie des abeilles. Donc, en soi, on est plus que dans de la théorie là, on est littéralement dans des faits avérés. Les parents de Barry sont soit frères et sœurs, ou alors cousins. Ouais, vive l'inceste, hein ? Oui, c'est vraiment très chelou, mais mettez-vous bien dans le crâne que c'est comme ça dans la vraie vie. Et puis, ce sous-entendu, cette petite blagounette, je sais pas si vous, à l'époque, vous avez saisi cette blague, mais de toute manière, renseignez-vous davantage sur le mode de vie des abeilles, je pense que vous apprendrez des choses. Mais voilà, toujours est-il que dans le cas de B-Movie, on n'en est plus à un stade de la surprise, hein. Une abeille qui se tape une humaine, donc voir des abeilles trans ou encore de l'inceste, est-ce que ça nous surprend à ce stade ? Plus vraiment, hein, très honnêtement. Des théories vraiment très cheloues pour un film chelou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres théories sur ce film. Vous pouvez me proposer cela dans les commentaires ou bien de nouvelles théories sur d'autres films DreamWorks. D'ailleurs, il va se passer des choses pas très cool pour DreamWorks les prochaines semaines. Il va y avoir des réductions d'effectifs. Des gens vont perdre leur emploi. Super. Enfin, vous pouvez me proposer des théories, les plus cheloues si vous voulez, bah j'ai l'habitude. Enfin bon, je vais donc vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me donner votre ressenti sur ces théories, qu'est-ce que vous en pensez? La première était facile à debunk, la deuxième en soi aussi, et pour ce qui est de la troisième, c'est un peu plus que de la théorie, c'est des faits avérés, simplement. Mais bon, voilà, si vous avez des éléments à rajouter qui vont dans le sens de ces théories, n'hésitez pas. Mais de toute façon, j'imagine que vous n'aurez rien à me dire de supplémentaire à ça. Donc, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de théories, bien évidemment. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!